What's up guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo, un nouveau Drive With Me. On va aller au Tim Hortons, je vais aller me prendre un café glacé, you know. Juste question d'avoir quelque chose dans la bouche. Non pas ça, attends. Je viens de réaliser que la Saint-Valentin est dans quelques jours. À mes 22 ans, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'en mes 22 ans, il n'y a aucun homme qui a voulu me sortir, m'aller dans un restaurant, me donner un bouquet de fleurs? Même pas juste un bouquet de fleurs, même une fleur on m'a pas donné. Hein? Même une fleur on m'a pas donné. Oh my god! J'annule la Saint-Valentin. Il n'y aura pas de Saint-Valentin en 2024. Si moi je ne fête pas la Saint-Valentin en 2024, il n'y a personne qui va fêter la Saint-Valentin en 2024. C'est annulé. C'est fini. Si je vois même ne serait-ce qu'un bouquet de fleurs, qu'une demande en mariage, que si, que ça, je vais vous bloquer. Vous pouvez dire que je suis jalouse. Vous pouvez dire que je suis amère. Appelez-moi le Grinch de la Saint-Valentin, je m'en fous. Merci. Bonne journée. J'ai mon café glacé à la vanille. Period. Let me taste that shit. It's sweet. Oh shit, y'avait qui? Il y avait quelqu'un à côté de moi. J'avais pas remarqué qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Il doit croire que je suis une folle. Bonjour monsieur. Cette chanson me fait sentir seule. Pourquoi je commence à être triste pour de vrai, guys? S'il y a un merveilleux homme qui veut me sortir à la Saint-Valentin, you know, j'accepte les applications. J'accepte les applications à partir d'aujourd'hui. Si là, il y a un de ces cons-là qui vous ont fait du mal dans le passé, qui viennent vous écrire, peu importe, il faut rester fort, les soldats! Stand on business! Peu importe à quel point vous voulez un Valentin pour la Saint-Valentin, peu importe à quel point vous vous sentez seul, restez fort! Ça me fait penser à quel point, quand j'avais une rupture dans le passé, je pensais vraiment que j'allais mourir, genre. Quand on te brise le cœur, ça fait mal, hein. Tu deviens même physiquement malade, carrément, hein. Puis tu penses que ta vie est finie là, à cause de ces imbéciles-là qui savent pas qu'est-ce qu'ils ont devant leurs yeux, hein. Mais on finit toujours par les oublier. Parce que quand on perd un, t'en retrouves 10. Oui, en vrai, au fond de moi, je veux juste vraiment qu'on m'emmène en vacation. Je mérite que le fils de quelqu'un prenne soin de moi comme ça. I'm just a girl. C'est bien beau être célibataire et tout ça là, mais le temps il avance. Le temps il avance. Peu importe à quel point dans notre société on va dire. Oui, c'est correct être célibataire même à 30 ans. C'est correct pour vous, mais moi je veux pas être célibataire à 30 ans, ok? Envoyez votre application. Je suis là ici à ouvrir ma bouche là, mais j'ai des préoccupations beaucoup plus importantes que ça, comme trouver un travail par exemple. I just wanna be in love. It was magic, yeah. Smashing gravity, yeah. Nasty habits. We move. Anyways guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin de la vidéo, je vous invite à vous abonner sur la chaîne cause it's lit over here. Je vous invite aussi à commenter, like, share everything, you know the drill. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes célibataire, ça fait combien de temps que vous êtes célibataire, vous avez quel âge, et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye.